Les indications des agents de la circulation ont priorité sur la signalisation, qu'il s'agisse de feux, de panneaux ou du marquage au sol. Ces signaux, très simples à retenir, sont également utilisés pour diriger la circulation en cas d'obstacle sur la chaussée. Si l'agent est de profil, la circulation est autorisée. Si l'agent est de face ou de dos, bras à l'horizontale, l'accès de la voie est interdit. Un agent de face dont le bras est levé donne l'ordre d'arrêter le véhicule. Si l'agent bouge son avant-bras de haut en bas, vous devez ralentir. S'il exécute des mouvements circulaires, vous devez en revanche circuler.